Jour historique au complexe scolaire bilingue Espérance, parce qu'à leur côté ce matin, les élèves ont reçu un invité pas comme les autres. Son nom, Samuel Eto'o-Fils. Nous venons d'avoir la visite de M. le président de la Fédération Camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, juste parce que notre établissement a cette spécificité d'avoir en son sein une académie de sport, et plus spécifiquement consacré au football. Il est donc venu voir nos pupilles, nos petits-enfants, apprécier ce que nous faisons dans cette académie, évaluer leur formation et établir avec nous la perspective pour le développement de notre football. Engagé dans plusieurs chantiers, dont celui du développement du football jeune, toucher du doigt les réalités de leur formation ici aurait été pour le président de la Fédération Camerounaise de football une occasion, celle d'échanger, question de présenter sa vision. Nous pensons que par cette visite, notre académie de football va prendre de l'ampleur. Et il a apprécié à sa juste valeur les efforts qui sont faits par les coachs, par tous les encadreurs, pour que nos élèves aient une formation réussie et excellente. Tout aura donc été coloré de la plus belle des manières durant cette visite, qui a créé de l'émoi parmi ses élèves qui jusqu'ici n'en reviennent pas. Et quand j'ai vu Samuel Eto'o, j'étais très content parce que c'est ma première fois que je vois. Et tellement j'étais content qu'on ne pouvait pas calmer ma joie. Bon, aujourd'hui, j'étais excité de voir Samuel Eto'o. Je l'ai attendu avec patience et je l'ai vu. J'ai voulu lui demander son orthographe et il me l'a donné. C'était un honneur de voir Samuel Eto'o en chair et en os. C'était un moment très honorable. C'était très impressionnant de voir le président de la FECAFOOT en personne. Et merci pour tout. Au-delà de cette visite, les espoirs sont grands pour le complexe scolaire bilingue Espérance parce que l'on espère motiver ces jeunes grâce à l'image du Goliador camerounais. Et ainsi, rehausser l'éclat de ses résultats qui, depuis la création de son centre de formation il y a 3 ans, ont une coloration de qualité. Il y a d'autres là derrière. Les petits. Il y a d'autres petits, des joueurs. Les petits. Les plus petits, mais. Les gars, mais je vous la parle. Tu vas pas.